Hello les potes, c'est Dofusium, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui n'était pas prévue à la base. J'ai décidé de la faire à la suite de l'épisode 1 de Je Drop pour vous sur les gelées et je me suis aperçu qu'il y avait vraiment beaucoup de thunes à se faire là-dessus. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cet épisode. Alors en quoi il consiste? Aujourd'hui, on va aller taper 20 donjons gelés avec uniquement mon CRA. Donc on va aller les taper, on va aller voir déjà le prix de la clé. Alors je vous explique une petite astuce aussi pour la clé, c'est ce que je vais faire, mais là pour moi on va regarder de base les prix. Donc au niveau des multijolis, on est sur du 99 999, les 10, ça voudrait dire 200 000 d'investissement pour les clés pour les 20 donjons. Ce qu'on va faire dans ces donjons, c'est qu'on va y aller uniquement avec le CRA et on va capturer toutes les salles qui ont minimum 3 gelées fraises. Donc on verra, peut-être qu'on aura des jeux, on aura beaucoup ou pas, je ne sais pas du tout, j'ai jamais fait le donjon sur 1.29, ou du moins il y a très longtemps, je ne me souviens pas du nombre de gelées qu'on peut rencontrer, etc. De souvenir, il y a 8 salles, donc on va capturer toutes ces salles, et on va aussi capturer les gelées royales, et ensuite toutes ces captures, on va les taper en arène, et c'est là que ça va être important. On mettra tous les comptes à 0 kama, et on verra exactement combien avec 20 donjons, on arrive à se faire de kama. Que ce soit en kama brut et en kama brut plus item, plus et éventuellement les ressources qu'on aura. Et ensuite on fera un débrief de tout ça à la fin de la vidéo, donc pour pas que ça soit trop long et trop chiant pour vous, ce que je vais faire c'est que je vais aller faire les donjons, taper les captures et que je vous reprendrai tout à la fin. Comme ça on fera directement le bénéfice, etc. En fonction de combien j'ai payé pour les captures, combien j'ai payé pour les donjons et combien au final on récolte. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour vous, moi dans quelques heures à mon avis. Je vous dis, je vais mettre également un time pour moi, comme ça je vous dirai exactement combien de temps j'ai mis pour faire les donjons, puis combien de temps je mets pour faire les captures. Et comme ça on aura à peu près une estimation de combien on peut se faire par heure, avec uniquement les gelées, qui me semble être un donjon très simple. On va voir ça. Allez les gars, tout de suite pour le débrief pour vous. Moi c'est dans quelques heures, à tout de suite. Et voilà, on vient de finir les 20 donjons et les 20 captures. Du coup, pour vous rappeler, les 20 donjons, je les ai tapés uniquement avec mon CRA. Et j'ai tapé ensuite toutes les captures à l'arène de Brakmar avec la team menu. Donc, on va voir actuellement ce qu'on a récolté. J'ai tout mis sur les nuits principales. On va voir combien de kama on a, combien d'items on a, combien de ressources on a. Et on fera une estimation à peu près de combien on peut se faire par heure avec uniquement des gelées. Donc, à rappeler que j'avais... environ dans ces 20 donjons, j'ai réussi à avoir 50 captures avec 3 gelées fraises minimum. Donc ça fait, on a à peu près 2,5-3 captures par donjon, ce qui est plutôt pas mal. Et j'avais donc 20 gelées royales. Donc voilà en termes de ressources que j'ai récoltées. On peut voir donc 220 feuilles de menthe, 540 eau, donc ça c'est les ressources un petit peu, on s'en fout en haut, 919 fraises. 800 citrons. Ensuite on a 80 quasiment gelés citrons, 262 gelés à la menthe, 1500 gelés à la fraise, 1129 gelés bleus, 11 gelés citrons royal, 45 gelés royal menthe, gelés fraises royal 113, on en a fait le plus ici, et 57 gelés bleutés royal. On peut voir également qu'on a récupéré 550 000 quasiment kama uniquement avec les kama bruts générés par les gelées. Ainsi que, attention, suspense. Non, d'abord on va faire ça. On laisse un peu le suspense encore. Vertijoli 28, Boujoli 34, Rougeoli 51. Je pense pas que ça ce qui rapportera le plus. On a eu aussi quelques sorts de maîtrise, mais qui, je pense, pareil, ne se vendront quasiment rien. Et enfin, ce que vous attendez tous, je pense, les équipements. Alors. Là on va compter ensemble un petit peu combien on a de chaque, on va noter sur un petit bloc-notes que j'ai ouvert à côté et on calculera également combien du coup tout ça vaut environ aux HDV. Donc on va commencer par le nombre d'amulettes, on en a 8, 16, 20, 24, 26, 26 gélamus du coup. Ensuite en termes d'anneaux, on a eu 13 gélanos, voilà, donc là ça c'est 2 gélanos sans rien, donc on a eu 13 gélanos. Ensuite en termes de bottes, on en a 3, 6, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 gélobottes. On note à côté, up. En cap maintenant, alors 4, 8, 10,
12, 16. 16 caps. On a 16 gélo caps. En termes de ceinture maintenant, on en a 3, 4. On a 21. 21 ceintures. Et les chapeaux, il me semble qu'on a oublié les chapeaux. Oula, oui, les chapeaux, on en a pas mal aussi. On en a. Ok, 22 chapeaux. On a 22 chapeaux. Donc, j'ai noté tout ça à côté sur un petit bloc-notes. Maintenant, on va aller à Bonta et on va calculer combien exactement c'est fait. Ensuite, je vous donnerai exactement le temps que j'ai mis pour faire les donjons et l'investissement global en nombre de Kama que j'ai utilisé pour pouvoir réaliser ça. Ok, donc on va commencer. Bon, les Gélano c'est environ 40-50 000 à chaque fois unité. Donc si on en a 13, ça nous fait à peu près 650 000 déjà sur les Gélano. Les amulettes, je ne connais pas du tout le prix, donc on va vérifier. On est à 14 000 unités quasiment. Ça nous fait à peu près du 200 000 du coup, vu qu'on en a 26, à peu près 200 000. Ensuite, on va aller voir au cordonnier d'abord. On va regarder Gélobot et Géloture. Donc Gélobot, on est à peu près sur du 27 000. Du coup, on en a 19, ça fait 513 000, ok. Ensuite, Géloture, on est sur du 9 000, ouais, ok, 9-10 000. Ça nous fait environ du 200 000, on en a 21. Ensuite, on va aller à l'HDV des tailleurs. J'allais faire assez vite pour que cette vidéo soit pas trop longue non plus. C'est juste une petite astuce Kama hors série comme ça, qui a l'air vraiment intéressante, mais on va voir ce que ça donne à la fin exactement. Donc les caps environ, ah ouais quand même 16 000 les caps, 16 000 on en a 17, ça fait à peu près 250 000. Les coiffes, 20 000 unités les coiffes aussi pas mal, ça fait à peu près du 500 000 parce qu'on en a 22. Et les ressources, on va aller voir maintenant au niveau des, oups là j'ai mis ce clic, hop, on va tout de suite regarder le prix des gelées. Ah, je crois qu'il y a la colonne gelée sur 1.9. Alors, donc, gelée citron pour commencer. Ok, les gelées citron sont assez chères. Nous, on en a 80, ça fait environ 187 000. Ok, gelée menthe, 50 000 les 100. Ça nous fait à peu près, nous, 155 000 de gelée menthe. Gelée fraise, 40 000 les 100. Ça nous fait à peu près, du coup, 530 000, putain c'est énorme. Ensuite on a quoi, nous on a des gelées bleues. Hop, je note à chaque fois les prix sur le bloc-notes à côté. À la fin je vous dirai exactement combien ça fait, mais le chiffre monte déjà très très haut. Gelées bleues, on a 1100, donc ça nous fait à peu près 330 000. Ensuite on passe aux gelées royales. Les royales citrons qui sont à 6000 unité, ok, on en a 11, ça fait ouais, environ 40 000. On prend à chaque fois au plus bas. Pareil pour les menthes royales, on en a 45 par contre, ça nous fait 270 000 environ. Les gelées fraises, 10 000 unités, on en a 113, ça nous fait environ 1 130 000, c'est énorme. Et les bleus, ah oui, alors les bleus, c'est les plus compliqués à obtenir, celles qui à chaque fois on n'est pas en full drop. Mais on en a 57 à 32 000 unités, ça fait environ 1 800 000. C'est énorme. Donc, à côté, j'ai ajouté tout ça sur un bloc-notes. Vous pouvez vérifier avec les prix que j'ai donné. On est donc à, en termes de Kama généré par les gelées, à 540 000 environ, 550 000. Et en termes de Kama généré par les items et par les ressources, on est à plus de 7 millions de Kama. Sachant que cette somme-là est encore plus... Enfin, on peut encore plus l'augmenter si on craft après, par exemple, les bottes. Si les gelées, je m'en sers pour crafter des amulettes, puis pour les briser pour avoir des runes PA. Je pense qu'on peut quasiment monter aux 8 millions juste avec les ressources qu'on a récoltées là. Mais on va prendre le prix le plus bas des 7 millions plus des 500 000 générés. On va dire qu'on a environ à 7 500 000 Kama de générés sur ces 20 donjons gelés. Alors après, combien j'ai payé en tout moi directement? J'ai investi d'abord 200 000 en clés. Sachant que les clés, vous pouvez les craft avec, vous savez, des vertijolis, des blue jolis et des vertijolis. Ça vous coûterait largement moins cher, mais il y a très très peu d'artisans boulangers, du moins quand j'ai voulu le faire. Ben moi, il n'y en avait pas, du coup je les ai achetés directement, donc ça m'a coûté 200 000. Ensuite, les captures, j'ai acheté 50, enfin
Du coup, j'ai utilisé pour 50 captures pour capturer les gelées en donjon, donc des captures maximum 50, que j'ai payé 3750 unités, qui m'a valu donc au total 187 500 Kama unités. Et enfin, il y avait également les 20 captures, captures d'âme 200 pour pouvoir avoir les gelées royales. Et là, on arrive à un total de 200 000 également. Donc, au total d'investis, j'ai eu 587 500 Kama de ma poche. Et en termes de temps, j'ai mis exactement 2h15 minutes pour le faire, sachant que je mets à peu près 4 à 5 minutes par donjon, avec le cra uniquement, et 1 minute par capture en arène. Donc voilà, en 2h15 de temps, j'ai fait un bénéfice brut de 7 millions de Kama, ce qui fait 3 500 000 par heure, ce qui est énorme pour des gelées, je ne sais pas si vous imaginez. Et en plus de ça, ça peut être encore amélioré, donc on l'a dit, si on craft les bots, mais pas uniquement. C'est-à-dire que si vous allez le faire directement en team, le donjon, vous pouvez quasiment doubler ce bénéfice. Vous imaginez faire du 7 millions par heure sur Dofus 1.29 avec des gelées. Sachant que les gelées se vendent très très vite. J'ai déjà vendu par exemple tout ce que j'avais dans l'épisode Je Drop pour vous 1. D'ailleurs, le prochain épisode sera là dans quelques jours et il y aura le résultat du concours. N'hésitez pas à aller participer si vous voulez. Il y a 1 500 000 Kama à gagner. Et donc c'est énorme, enfin, je trouve ça vraiment ouf qu'on arrive à des telles sommes. Donc on va clairement on va tout mettre en vente. Je vais aller crafter moi après je pense les bottes etc. Et je sais pas si je pense que j'en briserai la plupart parce que j'ai besoin de runes pour les épisodes exo. Mais très franchement, allez faire des gelées les gars, ça rapporte énormément. C'est pas compliqué, c'est pas chiant à faire pour être honnête. Et puis même si vous allez avec votre petite team en donjon, vous imaginez vous faire 7 millions par heure en donjon, c'est... Enfin, c'est ouf quoi. Enfin bon. Voilà les gars, cette petite astuce Kama, c'est une très courte vidéo là je pense. Il n'y a pas beaucoup de records, j'ai pas voulu vous mettre tous les... toutes les captures à faire etc. Ça aurait été bien trop chiant et ça aurait trop ressemblé à un épisode de jeu drop pour vous. Du coup, je verrai peut-être que je ferai gagner un petit peu de Kama de cet épisode... ou pas, en fait, je vais voir, je vais déjà garder toutes les runes PAPM qui seront générées pour l'épisode exo de la semaine prochaine. Et puis sûrement que je ferai gagner un bonus à une prochaine vidéo astuce Kama ou quoi. Je vous le dirai ça par la suite. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Allez faire des gelées les potes, vraiment allez-y direct là. Vous quittez la vidéo, vous allez faire des gelées. Si cette vidéo vous a plu, vous mettez un petit pouce bleu pour mon soutien. Et vous abonnez si vous avez envie de voir les prochaines. Merci à tous encore d'avoir suivi la vidéo. Bye.